Bonjour les amis. Alors, vous savez certainement que quand je suis en vacances, j'adore prendre de petits appareils. Alors, jusqu'à présent, j'avais en vacances mon petit Sony HX99, qui est un petit un deux tiers, c'est-à-dire style téléphone. Super appareil, on peut vloguer. Et il ne coûte que 449 $ et il va de 24 à 720 mm. Oui, vous avez bien entendu, 720 mm. Quand il fait beau comme aujourd'hui, quasiment aucune différence avec le RX100 qui lui est un 1 inch. Et qui a les mêmes caractéristiques, qui fait du 4K aussi. Je passe sur les détails, vous allez voir des centaines de vidéos sur ces appareils. Alors, dès qu'on arrivait le soir, que celui-là n'était plus capable de me donner les résultats que je souhaitais parce qu'il ne faisait pas assez beau, je passais sur celui-là. Un petit sac, les deux avec moi tout le temps. Celui-là a l'avantage de pouvoir mettre une dragonne normale et celui-là n'a que un seul côté, vous voyez, et donc on ne peut mettre qu'une dragonne comme ceci. Ce que je vous conseille, c'est de changer celle qui vient avec. Moi, j'ai déjà fait tomber le mien. Celle qui est livrée avec Sony n'a pas cette petite partie et donc hop, il a quitté mon poignet. Voilà. Donc, alors, pourquoi cette vidéo aujourd'hui, puisque ça vous le savez déjà, c'est simplement qu'ils viennent d'annoncer le RX100 Mark 7. Alors, la différence, c'est que l'autofocus qui est déjà extraordinaire sur les deux, j'ai jamais eu à m'en plaindre. Le nouveau a l'autofocus du A9, du Sony A9, c'est-à-dire le meilleur autofocus jamais fait. J'irais dire, c'est le seul qui peut vous capturer un oiseau en vol, un aigle en vol, des basketteurs en train de dribbler, donc le top du top. Alors, pour quelqu'un qui veut aujourd'hui faire de la photo, je vois vraiment pas vraiment l'intérêt. L'objectif est le même, le sensor est le même, le flipping screen est le même, tout est pareil. Donc celui qui fait de la photo, je dirais, c'est pas la peine de changer. Celui-là valait 1 200 $, le nouveau vaut 1 200 $. Celui-là va certainement tomber aux environs de 1 000 ou peut-être même 900, 800, j'en sais rien. Mais la différence ne sera peut-être pas justifiée pour quelqu'un qui ne fait pas de vidéo. Par contre, pour la vidéo, vous avez certainement remarqué dans certaines de mes vidéos, que ce soit quand je suis en vacances comme maintenant, j'utilise donc plutôt celui-ci que celui-ci. Et j'ai des fois quand il y a du vent, et bien sûr, on entend. Voilà. Et le nouveau a un micro, une prise micro. Donc vous pouvez effectivement rajouter un micro et donc vous aurez un son de la qualité que vous avez avec un Lumix G9 ou un Lumix GH5 dans un tout petit boîtier. Alors bien sûr, il n'a pas les capacités du GH5, mais il sera comparable à. J'irais dire, il faut vraiment être un professionnel pour voir la différence avec le 10 bits. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans des détails compliqués. Donc je vous dirais, si vous voulez faire de la vidéo, si vous n'avez pas celui-là, oui, achetez le nouveau. Si vous avez déjà celui-là et que vous faites de la vidéo,
changez-le. Si vous ne faites que de la photo, aucun intérêt. Voilà. Pour moi, mon idéal, c'était les deux ensemble. Alors aujourd'hui, pour le prix du nouveau, vous avez ces deux-là. Ou vous aurez ces deux-là, puisque le prix n'a peut-être pas chuté dès aujourd'hui. Vous voyez, là, je suis à la montagne, 700 mm, c'est fantastique, dans un petit boîtier comme ça. Vous savez, comme moi, un objectif 700 mm, j'ai ça en full frame et j'ai ça en APS-C. Là, j'ai ça. Voilà. Alors, bien sûr, par rapport à un téléphone, il n'y a pas photo, justement. Ça, c'est nettement meilleur. En formant à 24 mm ou 27 mm, 30 mm, tout dépend de votre téléphone. Quand il y a du beau soleil, vous ne verrez pas la différence. Mais l'intérêt de celui-ci, bien sûr, c'est le zoom. Même entre 100 mm, où vous n'arrivez jamais avec un téléphone, vous arrivez à 50 avec une qualité à peu près correcte. Mais entre 50 et 700, vous vous rendez compte, vous avez, j'ai fait des portraits de biches qui se promenaient, les familles de canards, des résultats fantastiques quand il y a un beau soleil qui m'éclaire comme aujourd'hui. Celui-là, pareil. Alors, quant à moi, comme je suis un peu malade, et ça vous le savez, au sens propre et figuré, je vais probablement m'offrir le RX107. Mais je ne vais pas me débarrasser tout de suite de celui-ci. Parce qu'il est quand même néanmoins des fois très agréable d'avoir deux appareils. Bon, c'est mon cas. Et celui-là, il est réglé d'une certaine manière. Celui-là, il est fait pour de la vidéo. L'autre sera fait pour de la vidéo. Celui-là, la photo, je peux réagir très vite. Mais bon, ça, c'est une affaire personnelle et... Voilà, ça c'est moi. Mais maintenant, si vous voulez voyager léger, j'avais commandé le Canon, le nouveau Canon G7 X3, qui coûte $750. Alors, $750, bon, je me suis dit, bon, rien à voir avec l'autofocus de celui-ci, ou même de celui-ci. C'est Canon et il n'a pas le fameux double pixel, je ne sais plus comment on dit en français. Donc, il a un système d'autofocus inférieur à ces deux appareils-là. Maintenant, il avait le nouveau une prise micro, comme le RX107, Mark 7. Donc, j'étais tenté d'avoir un petit appareil pour... voilà, je veux faire comme ça, au lieu d'utiliser un téléphone, vous voyez, au lieu d'utiliser un téléphone, là c'est le Samsung G9 Plus, ou GX9 Plus, je me rappelle même plus, tiens. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et donc, finalement, je vais annuler, on peut le commander dans 2 heures. Donc, dans 2 heures, je vais commander le Sony RX100 Mark 7. Mais je vais néanmoins conserver ces deux-là. Ça en fera un de plus. Et ce sera d'ici 1 mois, 2 mois. Je verrai s'il y a vraiment un intérêt de le garder. Je verrai quelle est la différence. Mais j'ai déjà fait l'erreur souvent de me débarrasser d'un appareil. Et je suis de loin pas le seul parce qu'il y a un nouveau qui est sorti et qu'après, j'ai regretté. Donc, je ne ferai pas cette erreur et je le garde en attendant. Par contre, j'annule le Canon parce que bientôt ou à $100 près, pour le prix du Canon à $750, vous aurez à 850 ou 900 celui-là qui est considérablement supérieur. Voilà, je pense avoir terminé. Écoutez, j'espère que ma vidéo vous sera utile. Ça fait longtemps que j'en avais plus fait avec ma maladie, hélas, qui me prend tout mon temps. Mais
Voilà, une nouveauté. Alors, après celle-là, je vais vous faire une autre vidéo. À tout de suite.